Bon dimanche matin, j'espère que ça va bien. On a laissé sortir Taz parce qu'on est vraiment bien dehors aujourd'hui. Là, il fait comme 5 degrés quasiment. Ah, je peux vous mettre là. Ouais, il fait genre 5 degrés, fait qu'on s'est dit qu'on allait le laisser sortir. Pour ceux qui savent pas, là, on le laissait sortir l'été passé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a acheté une espèce de petit harnais sur lequel c'est écrit son nom et nos deux numéros de téléphone. Puis quand on le laisse sortir dehors, c'est ça, on y met ça. Fait que si jamais il se perd, si jamais whatever, il se ramasse à quelque part, au moins les gens peuvent nous contacter pour nous le laisser savoir. C'est sûr qu'on prend un risque là, en le laissant sortir, mais on l'a vraiment vu la différence de quand il sortait pas à quand il s'est mis à sortir. Il était vraiment plus heureux, il avait vraiment plus d'énergie, puis il était moins gossant parce qu'il dépensait toute son énergie. Fait que c'est ça, on s'est dit, garde, il va vivre sa best life, puis that's it. Mais on le laisse pas sortir l'hiver, parce que c'est un petit peu trop frais, là, sauf que là, c'est ça, on s'est dit, vu qu'il faisait pas trop froid, c'était pas si pire. Fait qu'aujourd'hui, c'est un beau petit dimanche, on a pas trop de plans, pour être bien honnête, ça va être un petit dimanche relax, ça va être bien cool, on voulait peut-être aller prendre une marche. J'aurais peut-être aimé ça poser mes cadres, quand t'allais acheter Wikia, qui sont là. J'ai juste de terminer de faire le montage des deux vlogs qui me manquaient pour cette semaine, fait que je suis vraiment contente. J'aime ça, comme, tu sais, faire du montage, puis avoir vraiment des journées précises de upload de vidéos, parce que j'ai l'impression que sinon je pourrais genre skipper des semaines. Fait que j'ai pas le choix d'avoir un horaire assez strict si je veux respecter ça. Je suis le genre de personne qui aura besoin d'avoir des temps précis. Mais autant que c'est ça, comme je dis, j'adore ce que je fais, j'adore travailler. J'aime vraiment comme, tu sais, avoir YouTube, j'aime le fait aussi, tu sais, d'avoir notre business, d'avoir plein de choses. Autant que le dimanche, c'est une journée où est-ce que j'aime vraiment prendre pour relaxer puis faire vraiment ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment une journée 100% de congé, puis ça, je le dis tout le temps, dans tous mes jobs ou whatever. Puis, tu sais, je me le mets une note mentale, le dimanche, ce n'est pas une journée de travail. Pour moi, faire du montage, c'est pas du travail, fait que ça, c'est correct. Mais je pense que, tu sais, autant que je vous promouvois tout le temps que je suis en train de travailler puis que j'aime être productive, j'aime avoir des semaines productives, des journées efficaces, mais autant que je pense que c'est important de prendre du temps pour soi, pour son couple, pour ceux, pour votre famille, vos amis, whatever. Puis vraiment, tu sais, de penser à soi, de faire des affaires qu'on a envie, puis de relaxer aussi, parce que c'est grâce à ces moments-là, en fait, qu'on peut se permettre après ça de dire « Ok, parfait, on repart à neuf, puis une nouvelle semaine qui commence. » Fait que c'est ça, je voulais juste faire vous dire ce que j'en pensais par rapport à ça. On s'en va prendre une petite marche! Yeah! Yay! On est vraiment bien. Genre vraiment, vraiment bien. Il y a plein de flaques d'eau partout. C'est bon signe? Wouhou! J'ai la misère avec mon équilibre. La petite marche a fait vraiment du bien. Ça fait du bien de prendre l'air, puis genre de, on dirait de respirer de l'air frais. On le fait tellement pas en hiver vu que on se les gèle d'habitude. Je vais aller à l'épicerie, je vais aller chercher du lait parce qu'on en a presque plus. Cette semaine, je vais vraiment essayer de passer ce qu'on a. On a le congélateur plein de choses, l'armoire pleine de choses. Fait qu'à un moment donné, je me dis c'est beau, tu sais, tout le temps racheter à chaque semaine, mais la seule chose qu'on a vraiment besoin, c'est du lait, puis genre peut-être du fromage là, même pas, il en reste parce que je l'avais acheté l'autre fois parce qu'il est en spécial. Fait que on a vraiment juste besoin du lait, le reste des choses ben on les a. Là, j'ai un petit retour aussi à faire aux Ardennes. Je me suis rendu compte que la date limite que je pouvais aller retourner les affaires, c'était comme, genre, je pense demain ou après-demain, puis j'aurai pas le temps, fait que je vais y aller aujourd'hui. Oh my god! Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe ici. Il y a tellement de monde. Genre, moi, je me disais, il fait beau, fait chaud, le monde va être dehors, tu sais. Ils iront pas s'enfermer en dedans dans les magasins. Mais clairement, j'avais tort. Je suis de retour à la maison, vous pouvez vous croire, une heure plus tard. Ah, puis je me suis encore changée parce que j'avais vraiment chaud. Il y avait tellement de monde, c'était ridicule. J'aurais clairement pu partir puis aller ailleurs, mais c'est comme ça va être intense partout. Je pense que le monde était... ça me pique dans le dos. Je pense que peu importe, tu sais, si j'étais partie, je serais allée ailleurs, ça aurait été comme aussi intense. Dans les derniers vlogs, là, on est allé au IKEA et puis on a acheté 3 cadres pour mon bureau. Habituellement, ceux de chez IKEA qu'on est habitué d'acheter, c'est ceux qui ont des grosses bordures. Mais pour cette fois-ci, j'avais envie de quelque chose d'un petit peu plus délicat. Donc j'ai pris bordure noire, mais avec, je sais pas si on voit pas super bien, mais en tout cas, ça monte un petit peu sur les côtés. Fait qu'il est plus flat, ouais, on le voit un petit peu ici. La seule chose, c'est que on l'avait placé comme ça. Donc le gros cadre à gauche et puis ces deux-là comme ça. Mais je me demande, est-ce que je suis mieux de mettre le petit en haut puis le moyen en bas?
ou de faire l'inverse et de mettre ça comme ça. Puis quand on l'avait fait, on avait laissé une espèce de petit jeu d'à peu près un pouce. Puis je trouvais que ça faisait peut-être moins comme structuré, fait que j'aimais peut-être plus le look. Donc, ça ressemblerait à ceci. J'ai fait un sondage sur Instagram pour trouver la réponse. Mais je pense que j'aime... C'est parce que l'affaire là, je pense que j'aime plus le petit en bas puis le moyen en haut, mais je me demande si ça fait trop massif en haut et petit en bas, trop délicat en bas. Je sais pas si vous comprenez le genre. Fait que c'est vraiment là mon point. J'aime le fait d'avoir le moyen en haut et le petit en bas, mais ça, je sais pas si ça fait trop écrasé. Tellement on a du plaisir à faire de la déco! On est en train d'essayer de voir si c'est correct. J'avais déjà un clou sur ce mur-là de mon ancien board. Fait qu'on a mis celle-là dessus, puis on se demande si c'est trop bas ou si c'est correct. J'ai comme l'impression que c'est un peu bas, comme Anto a dit, mais que vu qu'il n'y a rien d'autre qui va sur ce mur-là, ou genre en général, ça va être quand même beau, puis ça sort quand même bien en photo aussi. Ouais. Deux de fait, il en reste juste un. Je pense que ça va être le plus dur. Ah ouais, c'est sûr, c'est le plus gros. Tadam! Fait que ça donne ça. On a eu un petit peu de misère, on va se le dire. Là, le premier, il y a peut-être une couple de petits trous en arrière. Mais, comme Anto y dit, un ou trois, ça change rien. Non, pour vrai, ça sort vraiment bien. Même d'ici, là, je suis vraiment contente. Évidemment, j'ai pas les images dedans, mais je pense que je me suis pas mal décidée sur ce que je voulais. Dans le fond, je voulais une image comme ça. Je pense que ça va être la plus grosse image. Fait que c'est vraiment juste comme un contour de corps que j'ai trouvé sur Pinterest. Je la trouvais malade. Je pense que dans celle du milieu ou dans la plus petite, je sais pas encore, il va falloir que je fasse des essais avec Photoshop. Mais ça va être quelque chose comme ça, fait que des brindilles plus justement dans les couleurs de nude. Je trouve que ça allait rechercher le thème de couleur un petit peu bois que je voulais dans le bureau. Puis pour la troisième image, je pense vraiment que ceux-là vont être la petite, mais j'hésite entre ça ici, ces feuilles-là, ou bien des cactus comme ça. Fait que je sais pas encore, mais je vais faire des tests à l'ordinateur pour voir ce qui sort le mieux, mais je suis vraiment contente. Anto commençait à avoir faim, il voulait qu'on mange, sauf que là, j'ai réalisé que j'avais pas fait décongeler assez de poulet. Comme j'ai dit, on va manger de la fondue ce soir, on va se faire un souper fondu, mais on n'a pas de viande à fondue, fait qu'on s'est dit qu'on allait le faire avec du poulet. Par contre, habituellement, dans les sacs de poulet, j'emballe comme deux poitrines pour qu'on en ait chacun une. Mais là, le seul sac que j'ai décongelé, c'est celui-là qui en a rien qu'une. Fait que, on mangera pas tout de suite, mais je suis en train d'en faire décongeler un autre, fait que je le mets dans l'eau froide quand je le fais décongeler, puis c'est vraiment de même que je trouve que ça décongèle le plus vite. Je vais caler cette bouteille d'eau-là parce que j'ai pas bu d'eau aucunement aujourd'hui, puis c'est vraiment pas bon. Fait que, une des choses qui m'aide vraiment à boire plus d'eau, c'est les pailles. Je ne buvais presque... Ben, en fait, je bois vraiment pas beaucoup d'eau à la base. Il faut que je me force pour boire de l'eau. Mais quand j'ai des pailles, surtout les grosses pailles comme ça, je les avais commandées, je pense, sur Amazon, ça fait vraiment en sorte que je boive plus d'eau. Fait que, bref, c'est ça. Puis là, je viens de terminer de faire mon petit smoothie pour demain matin. Fait que quand je me lève tôt comme la semaine, puis je m'en vais au gym tôt, puis je travaille comme une bonne partie de la journée, j'ai pas nécessairement le temps de faire mon smoothie le matin. En fait, je le prenais, mais là, je me suis dit que j'allais essayer de faire le soir. Fait que je fais exactement la même chose. La seule chose, c'est que je mets pas mon eau tout de suite. Fait que demain matin, quand je vais vouloir le faire, je vais juste avoir à ajouter mon eau. Donc là-dedans, il y a des graines de chia, épinards, une banane. J'ai un mix de framboises, bleuets et de mûres. Un petit peu de yogourt de fraise, yogourt de vanille, puis un petit peu de collagène. Fait que c'est ça. Comme je dis, demain matin, je vais juste avoir à ajouter de l'eau, puis ça va être probablement très bon. Puis j'aime pas mes smoothies comme ultra, ultra froid. Je sais pas pourquoi, à un moment donné, je me suis fait arranger dedans au dentiste, c'est genre... pour vrai, au-dessus de 5 ans. Puis elle avait pris comme 3 ans à vraiment, vraiment guérir.
Puis dans cette période de temps-là, puis j'étais retournée comme 5, 6, 7, 8 fois là, pour qu'il me la recheck, qu'il la refasse, qu'il sait, qu'il ça, parce qu'il m'avait arrangé une carie. Puis finalement, je pense qu'il a juste touché un nerf. J'étais super sensible sur le froid. Fait que depuis ce temps-là, je bois comme mon eau tablette. Je préfère mes choses pas trop froides, dont mes smoothies. Fait que je me suis dit qu'au moins, si tout est décongelé, il sera encore moins froid. Je vais être encore plus comblée. Bref. Tant qu'à attendre que la viande déjà, je me suis dit que j'allais commencer à faire les sauces. Donc, avec la fondue, habituellement, je fais comme 3 sauces. D'habitude, 4, mais on dirait que j'ai oublié la dernière vu que je la fais tellement pas souvent. Fait que ça prouve que c'est vraiment celle-là qu'on mange. La première est au ketchup. Donc, la base de chacune des sauces que je fais pour la fondue, c'est de la mayonnaise. Donc, celle qu'on utilise, c'est de la Hellmann's. Bien normal. Moitié pour cent, moins de gras. Fait que... Et voilà. Et pour la première, on va mettre moitié mayonnaise, moitié ketchup, ainsi que un petit peu de sriracha parce qu'on aime ça un petit peu épicé aussi. Donc ça va être la première. Pour ce qui est de la deuxième, c'est encore une fois la base, c'est de la mayonnaise. Donc la quantité de sauce que vous voulez, c'est la quantité de mayonnaise que vous mettez. On rajoute de l'ail, ça c'est vraiment au goût. Nous, on prend de l'ail déjà haché là, comme ceci, qu'on avait pris, je pense, à l'épicerie. On rajoute du poivre, c'est vraiment meilleur avec du gros poivre, mais on n'a pas de poivrière, tu sais, de grosse poivrière. Donc ça va être ça pour le moment. Et un petit peu de miel, je dirais une demi-cuillère à thé, pas plus que ça. Juste pour dire que ça vient couper un petit peu l'acidité des fois de l'ail. Et finalement, pour ce qui est de sel curry, c'est super simple. C'est encore une fois la base de la mayonnaise, fait que même principe. La quantité de sauce que vous voulez, c'est la quantité de mayonnaise que vous mettez. Curry, ça c'est vraiment au goût. Là, moi j'aime quand ça goûte quand même assez prononcé, fait que j'en mets pas mal. Mais c'est ça, c'est vraiment ce que vous désirez. Et puis, on va rajouter avec ça un petit peu de miel aussi. Donc, même chose, même principe, une demi-cuillère à thé à peu près, c'est en masse, c'est très suffisant. Celle-ci, c'est celle à l'ail, ça c'est au ketchup, j'ai mis un petit peu trop de sriracha, je vous confirme, mais c'est mangeable, c'est pas si pire. Et puis, celle au curry, vu que je pense que je vais être seule à la manger, j'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais ça c'est le genre d'affaire que vous pouvez aussi faire pour, mettons, faire mariner votre poulet avec, ou ce genre de choses-là, c'est excellent. Avec la viande, là, peu importe c'est quoi, même avec du tofu, je suis sûre que ça serait vraiment bon, mais on l'a pas encore essayé. Il nous restait un restant de riz, donc j'ai racheté juste un petit peu d'eau pour qu'il prenne un petit, qu'il soit moins sec, là, qu'il soit un petit peu plus mouillé. Et j'ai versé le bouillon dans le four à ça, là. Ah, puis j'ai fait une petite soupe aussi en même temps, une crème de poireau qu'on avait dans l'armoire. Puis ça, c'est le genre d'affaire aussi qui est super pratique à avoir pour dîner. Fait que... Je me suis dit que j'allais la faire d'avance, puis ça allait être parfait. Ça sent tellement bon. Le festin est prêt. Et ça va être incroyablement bon. On a plein de restants, plein de bouffe. On avait des petites patates. Ah, oh, j'ai la flashlight, puis c'est trop foncé. On avait des petites patates qui nous restaient, que j'ai trouvées, fait qu'on les a mis dans le bouillon. Puis on attend que l'autre poulet décongèle encore, fait que pour l'instant, on a juste une poitrine. Mais ça va être très bon. Bon appétit. On va écouter un petit film en même temps. Que je voulais écouter l'autre fois. Update sur le film qu'on a regardé. C'était vraiment mauvais. Perdez même pas votre temps à écouter ça. Oh là là, ça va être la foule d'un film d'action, genre quand on écoutait la bande-annonce la semaine, au début de la fin de semaine, vendredi. Puis c'est vraiment pas le cas. C'était vraiment genre dramatique. Puis aucunement le genre de film qu'on écouterait normalement. Mais si vous aimez les films dramatiques, c'est en plein pour vous. Non, sans blague. C'était juste pas notre genre. On va dire ça comme ça. Là, il est rendu quand même tard, il est rendu 9h. Moi, je m'apprêtais à aller préparer mon stock pour demain matin. Fait que mon sac de gym, mes vêtements, je sors comme toute la veille. Fait que comme ça, le matin, j'ai juste à m'habiller, me brosser les dents, puis à partir. Fait que ça va ressembler pas mal à ça. Fait que là-dessus, ben, je vais terminer le vlog. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis, nous, on va se revoir très bientôt. Bye bye tout le monde!